Plus que 40 secondes pour la petite conférence Limited Run Games. Alors, j'entends déjà les abrutis. Évidemment, voilà, ça risque d'être moins impressionnant qu'une conférence Microsoft ou Sony. Hein, voilà. On se détend tous un petit peu. Hein, voilà. Détente, j'invite tout le monde à se détendre. Et on va découvrir cette petite conf indé dans quelques instants. On va passer un moment sympathique. Hein, voilà, tout le monde va être sympathique dans le chat. Je suis sûr que tout le monde va être sympathique. Moi, je n'ai jamais douté sur la sympathie des gens. Allons-y, est-ce que ça va tout de suite envoyer le matos Welcome to stream. Oh putain, ok. On espère que... Rated RP2M. Ladies and gentlemen, welcome to the Limited Run Games press conference for E3 2018. Broadcasting live from the Limited Run Auditorium in Apex, North Carolina. Ah, évidemment, tout le monde est un petit peu ironique vu que c'est pas les mêmes moyens. Wow, General MIDI, 3DS Max. Oh, moi je suis chaud là. Ouais. Hey. Wow. Olé! Wow! Énorme! And now, introducing our hosts, Josh Fairfax and Douglas Bogart. Allez! Incroyable! Cet amphithéâtre rempli pour le début de la conférence Limited Games. I'm Josh Fairhurst, Limited Run. Co-founder and CEO of Limited Run Games. Co-fondateur et CEO. And I'm Douglas Bogart, co-founder and COO. Get hyped, everybody! Et oui, la hype est présente dans cet amphithéâtre. First off, I'd like to start by thanking everyone who came out to attend today. Évidemment, merci à When tout le monde. When we started out, we never thought we'd be filling up auditoriums. Voilà, quand nous avons commencé Limited Run Games, on n'aurait jamais cru remplir un amphithéâtre à l'E3. Et bien évidemment, salut à tous ceux, à toutes celles et ceux en ligne qui foutent le feu. Avant de parler de toutes ces révélations énormes, j'aimerais parler de ce qu'on fait, à celles et ceux qui ne connaissent pas notre activité. Voilà, jetons un œil à ce que nous avons accompli par le passé. Incroyable. Limited Run Games is a publisher that releases small single issue print. Voilà, un éditeur qui sort des éditions limitées physiques donc de jeux précédemment sortis. Mais voilà, qui ont souvent un gros potentiel affectif auprès des joueurs. Voilà. Et ces jeux évidemment méritent de sortir en physique. To date, we've produced over 160 physical game releases. Plus de 160 jeux sont sortis en version physique grâce à Limited Run Games. Mais voilà, on ajoute également d'autres choses, des éditions collector, des bandes son, ils éditent beaucoup de choses. La Nintendo Switch. Parce que oui, on les connaît surtout pour les versions PS4, mais on voit qu'ils... Ils font d'autres choses. Alors, on va commencer avec un jeu qui a été fortement demandé. Quoi, un jeu de golf? Ah, c'est Golf Story sur Switch, bien sûr, qui va avoir une édition physique en 2018, septembre 2018. Faut qu'on le fasse, celui-là. Golf Story hein, sur Switch, disponible depuis un moment déjà. Excellent jeu de golf RPG. Et tout de suite, interlude musicale. La foule est en liesse. Alors, le directeur artistique de Limited Run Games
Hope you're all looking forward to Golf Story. This next J'espère game que vous attendez tous Golf Story. Ah, ce jeu qui arrive a été travaillé pendant plusieurs années avant de, d'être arrivé sur les services de vente en ligne au début de l'année. Et donc, ils vont le sortir physiquement également, semble-t-il. Ah, bien sûr. Iconoclast, l'excellent Metroid-like, Metroidvania-like, Monsby, qu'on n'a pas présenté parce qu'en même temps, il y avait plein de sorties ouf, mais très très bonne réception ce jeu. On avait présenté Dandara et un autre jeu à cette époque-là. Iconoclast, donc ouais, une des grosses sorties indé de ce début d'année qui aurait une version physique donc. Ah non, pas les chiens, pas comme Bethesda. Hein. Emily. Du développeur polonais. J'ai pas entendu le nom. Alors, en octobre. Ah, Bluebird Team, voilà. Observer. Lazarski, you there? Dispatch, I got an emergency here. Can anyone hear me? The year is 2084. If they told me what the world would become, I would not have believed them. KPD? Anyone in there? I am what they fear. A corporate tool of oppression. If you don't remember, if you won't remember, that's when they call me. To access you. To gather evidence. To dredge up whatever is hiding in the darkest corners of your mind. Daniel Lozatsky. I'm an observer. Observer, donc, ouais, avec une sortie physique. Observer déjà sorti, hein, bien sûr. Pas testé personnellement, qu'il y avait une bonne réception également. This house is absolutely amazing. How about that smile? Ah, ça, c'est pas un jeu pour moi, ça. The undercoat should be dry by now. It's time to get to work. Hello? Yes, speaking. Ugly? Ugly? You ordered a true portrait, so that's what I painted. The clock struck one. The horror ran down. Oh.
Ok, donc Observers et Layers of Fear, donc les deux jeux qui font peur, deux jeux où je ne peux pas. Même si ça serait très drôle en stream, qui bénéficieront donc de sorties physiques, alors que la musique de Shrek. Brian Gay, Shipping Boy, le coursier donc. Non, c'est sûr. Oula, le micro assumé, c'est vrai qu'il est dégueulasse, c'est fait exprès. Ah, Thumper. L'excellent Thumper. Sortie physique sur PS4 et Switch. C'est un petit peu comme Rocket League, c'est-à-dire, c'est ce genre de jeu, en vidéo il passe mal parce que ça bouge trop, la compression ne tient pas. Alors. Il y a le son qui sature un peu. House of Fight, Fata Morgana, donc. Visual Novel, je ne sais pas. Par contre, oh là là. Il va falloir apprendre à mixer des trailers, par contre. Parce que là, je pense que personne n'a été hypé par ce qu'on vient de voir. Sauf les connaisseurs, éventuellement. Reintroducing to the stage, Douglas Pope. Oh là là, ce X-Files en général midi. Je suis à fond, là. This next set of games is for a group of fans who made us into what we are today. We chose Breach and Clear. Allez, ceci est dédié aux fans qui nous ont permis de devenir ce qu'on est aujourd'hui. La PS Vita, c'était pour PS Vita ce qu'on avait vu. Tell me announce this batch of games we're putting out only on the Vita. I'd like to summon to the stage the device that made this possible. Alors, un petit hommage à la Vita. Big up à la Vita, le public est en feu. Qu'est-ce que...
Incroyable. Incroyable hommage à la PS Vita. First up, this pair of cyberpunk games is from the same universe. Let's check it out. Ah, des jeux cyberpunk. Neo San Francisco, 2064 AD. The world is on the cusp of a new form of intelligence, and only you are capable of uncovering the truth behind it all. Turing, the world's first sapient machine. Jess Mies, a hybrid's rights lawyer with a chip on her shoulder. Lexi Rivers, longtime friend and disenfranchised NSFPD detective. Tomcat, an ace hacker with a mysterious past. Your investigation takes you down the mean streets of Neo San Francisco. Who do you believe? Who can you trust? Crisscrossing this cyberpunk underworld leads you to the biggest secret of them all. Read Only Memories, a new cyberpunk adventure. Ok, point and click cyberpunk, Read Only Memories, et également donc en sortie physique. Sympathique. Valhalla qui était déjà sorti, j'avais hésité à le faire. Évidemment, il y en a beaucoup qui parlent de Red Strings Clubs parce que voilà, on est un barman dans un monde de cyberpunk. Jeu qui a reçu également de très très bons un très bon accueil. Time to show off one last video exclusive, bouncing its way into our lineup this year. If there are any children in the audience, time to cover your face or peek through your fingers. Ah. Couvrez vos yeux, les enfants, car ça va être mature. Oh là là, thème sexuel, nudité. Coulez-moi. Incroyable! Senran Kagura, bon appétit! Tasty yet totally tasteless! Incroyable! Évidemment, du jeu de rythme, de la cuisine et des lolis avec des gros seins.
De quoi faire plaisir à tous nos amis du chat qui gueulent depuis tout à l'heure et qui, évidemment, vivent le difficile syndrome de la capote coincée dans le portefeuille depuis 3 ans. Alors, c'est parti, la switch. Oh là là! Incroyable! Toujours des effets hollywoodiens, nous partons sur la catégorie Switch de cette conférence. Bravo! Magnifique! Le public en liesse une fois de plus. Ah, une annonce très spéciale. Ah, elle va être disponible dès maintenant à la précommande, ce qu'on va voir sur Limited Runs, limitedrungames.com. Ah, c'est parti, hein. Soyez chauds à vos navigateurs. Alors. Ocean Horn, donc disponible dès maintenant. C'est Zelda sans être Zelda, c'est mignon. Et sur Nintendo Switch en version physique, disponible à la précommande dès ce soir. Ocean Horn, ladies and gentlemen, available right now on our e-commerce website, limitedrungames.com. Voilà, limitedrungames.com. This release was published by our friends at FDG Games. It is not part of the Limited Run Games collection, but we've assisted in releasing this game as a distributor. Ah, il y a un jeu qui est donc qui a été comment dire rendu physique par une boîte, mais ils ont insisté à les aider à la distribution. Ah. Ah oui, Ocean Horn donc disponible a priori pendant 2 semaines, suivant ses précommandes. Welcome to the stage, Justin Okeke. Justin Okeke, support client. Le curseur, ah oui. Yeah! Deux annonces Switch encore. Ah, en partie préparées dans leur propre studio de développement, car ils développent aussi. Voici un jeu que sûrement beaucoup d'entre vous connaissez, disponible sur Switch pour la première fois. Bande son de feu là. Comic Star Heroine donc, RPG, développé en partie par leur studio. This next one has already been
Le prochain a déjà été annoncé. Et aujourd'hui, on va annoncer par contre sa date de sortie. Benjamin Moore qui rejoint la scène. Hey man, anything I can do to help? Alors, oui. Awesome. Now stand right there and let's get this started. Right here. Perfect. Mais de quoi? Mais qu'est-ce que? Ok, donc ça hype bizarrement quelque chose. Oh, c'est terrible. Il lit son prompteur. Oh là là, c'est Night Trap, le classique de la Sega Saturn de ses morts. Évidemment, un jeu terrible, hein, décrypté par tous les youtubeurs qui font des jeux rétro un peu horribles. Rated E10 for ages 10 and up. Évidemment. Non, qu'est-ce que j'ai contre Mega CD Night Trap d'ailleurs. Oh là là. On remonte tellement loin que j'ai oublié. C'est Mega CD Night Trap. Oui, oui. Ukulele, Nintendo Switch. Kalaili, donc la suite spirituelle, hein, bien sûr, entre guillemets, de Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie qui a reçu un accueil un peu mitigé. Beaucoup de réchauffés, mais c'est normal. Leur job principal... Ah, magnifique. Wake me up before you go-go. Leur job principal, c'est de rééditer en physique des jeux déjà sortis. Donc c'est bien normal qu'on les ait déjà vus, les jeux. CMV, lol, il a une barbe, lol. Voici quelque chose qu'on voulait faire depuis le jour 1. Putain, ils lisent tous leurs prompteurs. À Limited Run Games, c'est un classique avec ses mécaniques qui n'ont pas vieilli et son challenge très relevé. Accrochez-vous à vos sièges. C'est incroyable. C'était la musique de Spelunky, ça, c'est le jingle de Spelunky. Pourquoi ? Ouais, c'est ça. Impossible, I thought, as I peered Spelunky, sorti en version physique sur PS4 et PS Vita. Sympa d'avoir un jeu qui, là par contre, a vraiment été acclamé par énormément de joueurs et de critiques. Excellent, excellent en live. Surrounded by darkness, resigned to my fate, my very last bomb revealed an escape. I emerged in a market filled with grumpy old men, hawking wares of all kinds in their clandestine den. One had a wrapped box and I couldn't resist. In my hurried excitement, I opened the gift. Next thing I knew, they were shooting at me. Make sure to pay first when you play Spelunky. Incroyable. Welcome onto the stage, Sarah Elliott. Sarah Elliott, manager, support client.
created by developers Magnetic Realms and Xseed, we have Magnetic developer Magnetic Realms Commodore 64 and Amiga platformers from the early 90s. Ah, un hommage au jeu de plateforme d'Amiga des années 90, ça me parle ça. Hein. Je rappelle évidemment à tous les connards qui disent que c'est cringe et que les jeux sont pourris que c'est sur ce stream on joue principalement à ce genre de jeu, hein. Pas Final Fantasy VII Remake et Gears of War. Donc calmez-vous, hein, c'est mon chat encore, bande de connards. Ok, Exile End, donc, oui, ovation incroyable de cet amphithéâtre en liesse. Et allez, à la dernière minute pour le 3, un jeu japonais, en sortie physique donc. Allez. Cette bande sur la Mega Drive du plaisir. Et du gros beat'em all jouable en coop jusqu'à 4. Phantom Breaker Battlegrounds Overdrive. Ça rappelle un peu Scott Pilgrim hein, pour celles et ceux qui connaissent moins les licences japonaises. This game got announced in E3 last year, and it's my pleasure to finally give it a release date. I hope everyone stops being salty. Et finalement une date de sortie. Yes. Bah ça va nous amener à Ubisoft tranquillement ça hein. Ah mais c'est zut. Merde, comment il s'appelle? Le Dark Souls en 2D hommage Sanctuary. Salton Sanctuary, ouais c'est ça bien sûr. Sur PS4 et PS Vita donc en sortie physique le 24 août. On l'avait testé en plus.
and you remember the glory days of the Xbox Live Arcade. Alors, si vous êtes comme moi et que vous vous souvenez de l'âge d'or du Xbox Live Arcade au niveau des jeux indés, il y avait un gros jeu sorti à chaque semaine. Et par nostalgie, on va encore annoncer une sortie physique Nintendo Switch. This game is also largely the product of a single developer's labor of love. Ah, ce jeu est le produit du labeur d'un développeur unique. We dare not even ask for a hero, for no creature should suffer so to mend this broken land. He leads the greatest army our world has ever known, spilling innocent blood. Even now, I sense their footsteps as they march ever closer. There is a legend, the oldest of Elysian tales. It speaks of a warrior who wields that very blade. You, Dust, will turn the tide. Well, no pressure or anything. Dust. An army of thousands stands before us, and they've never been defeated. Well, let's not keep them waiting. Remember your friends? I remember everything. And it changes nothing! You did not know? You possess a rare gift. Never have I seen it before. Ouais, ouais. Dust An Elysian Tale, comme le dit Quev, hein, réalisé par une seule et unique personne. Incroyable. Donc, avec une sortie physique sur Nintendo Switch. Allez, c'est la fin. On accueille une dernière fois Josh. Merci. Et n'oubliez pas, nous ferons un question-réponse en direct sur le stream dans quelques moments, quelques instants. N'oubliez pas que la conférence Ubisoft va commencer très bientôt. Ah. But before we leave, we're going to show you just one more thing. Ah, évidemment, une dernière chose avant de se quitter. Allons-y. Hey. Oh non, c'est Night Trap. Hi. My name is Eddie. I need your help. Ah non, j'y ai cru. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, d'accord, ok. C'était bien la fin, donc. Ok, très bien. Oh putain. Oh, faut pas trop lire le chat hein, pendant le 3. Hein. C'est terrible. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Vraiment, c'est terrible hein, ce qu'on vit ensemble. C'est extraordinaire. Ah, parce que je sais plus du coup. Il y a des gens, ils sont là, et donc. Finalement. Quand c'est des licences qu'on connaît déjà, bah c'est dégueulasse, on connaît déjà. Quand le jeu il est beau et il est nouveau et que c'est une nouvelle licence, bah c'est des connards parce que c'est sûrement, il sera sûrement downgrade. Et puis de toute façon les mecs ils jouent pas en direct. Quand c'est des classiques indés et des vrais jeux de gameplay, lol c'est dégueulasse, il est gratuit ton jeu, lol les polygones, lol. Je veux dire, comment ça se passe dans vos vies? C'est-à-dire quand vous faites l'amour, alors quand vous faites l'amour avec vos mains, j'entends, vous arrivez à avoir un orgasme ou pas? Comment ça se passe? En tout cas, dans quelques instants, c'est bien évidemment la conférence Ubisoft. Hein, dans 20 minutes, c'est imminent.
Et nous allons nous retrouver dans quelques instants. YouTube, bien évidemment, j'arrête ici cette conférence Limited Run Games où on a donc, bien entendu, eu un aperçu des nombreuses sorties physiques de classiques indés dont vont s'occuper Limited Run Games, donc qui publie des éditions physiques en édition limitée de plein de jeux. Des bisous.